C'est parti là. C'est... Ah merde, ça filme. Bonjour, je suis votre ami Steven Culligan et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous éclater pendant les vacances. Allez, venez, suivez-moi. Sachez que lorsqu'on veut s'amuser pendant les vacances, il faut plutôt être avec les personnes qu'on aime bien ou alors faire des choses que nous aimons bien. Tenez, par exemple. Moi, j'adore apprendre l'histoire. Donc, je vais lire, vous avez bien compris, un livre d'histoire. Par exemple, ce livre, ça a l'air passionnant, vous me direz. Mais oui, je vais vous le lire. Alors, essayons plutôt les magazines. Tenez, par exemple, j'en ai un là. Ça a l'air passionnant, me direz-vous. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est pour ça que je vais le balancer par terre. Maintenant, vous pouvez toujours jouer au ballon. Mais dans la maison, c'est pas pratique. Vous pouvez toujours faire du skate, mais... Dans la maison, c'est toujours pas pratique. Vous pouvez caresser votre douche jusqu'à ce qu'il vous miaule dessus. C'est intéressant, me direz-vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ah, mais oui, j'avais oublié. Vous pouvez manger des madeleines, des chips. Vous pouvez... Ah oui, vous pouvez. Vous pouvez téléphoner à vos amis. Vous pouvez regarder les vidéos. Vous pouvez jouer de la guitare. Mais tout ça, c'est chiant. Une étude de l'INSEE prouve que les personnes qui se font chier pendant leurs vacances s'amusent quand même. Elle a mangé du chou, elle a mangé du chou, la chèvre, elle a mangé du chou. Des choux raves, la chicorée sauvage, des choux raves et des pissenlits. Des choux raves, la chicorée sauvage, des choux raves et des pissenlits.